De la troisième dimension à la cinquième dimension, nous allons nettoyer vos corps cristallins et les connecter sur les plus hautes sphères de la conscience cosmique. Cette méditation va vous permettre d'effectuer un passage en douceur, même s'il existe d'autres méthodologies d'activation des corps cristallins. La cinquième dimension n'est pas une dimension de décorporation, mais au contraire une dimension où nous allons vivre une compréhension humaine nettoyée de nos douleurs et de nos souffrances, avec une ouverture profonde sur la joie et sur la lumière divine. Lorsque nous portons cette compréhension de la 5D, nous vivons une sorte d'alignement entre ce que nous sommes et l'univers qui nous entoure. Et nous désirons que le plus de personnes possibles puissent bénéficier des influx positifs et salvateurs de la cinquième dimension. La cinquième dimension est un état profond, un état de complétude qui nous invite à repenser le monde d'aujourd'hui. Le nombre de personnes qui atteignent la cinquième dimension sera ouvert. Et plus la joie, l'équilibre vont venir s'incarner dans le monde d'aujourd'hui. En tant que travailleur de lumière, vous êtes invité dans cette méditation à vous connecter sur les plus hautes sphères de vous-même. Non seulement pour recevoir les influx du passage, mais également pour émaner d'une manière générale les qualités salvatrices de la cinquième dimension. Vous allez maintenant fermer les yeux et effectuer vos processus d'entrée en vous concentrant sur la respiration. Vous allez maintenant placer votre attention sur le cœur et ressentir l'énergie qui émane de votre cœur. Une énergie qui se met à rayonner ce peut être une énergie rose, une énergie violette, une énergie dorée. Et vous allez voir cette couleur rayonner à partir de votre cœur dans toutes les directions. Et elle va maintenant former une sphère autour de vous. Et vous allez connecter cette sphère avec l'énergie de Gaïa, la Terre-Mère. Vous ressentez cette lumière à travers vos chakras. Le chakra supérieur, coronal, troisième œil. Et vous descendez
l'énergie, chakra après chakra. Pour vous connecter jusqu'à Gaïa. Visualisez l'énergie qui se met alors à tourner. Et vous allez appeler maintenant, dans la réalité de votre cœur, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Fusionner et élever nos corps énergétiques. Vous voyez maintenant des êtres de conscience cristalline. Les conseils d'ascension. Et vous visualisez ce conseil d'ascension dans un lieu sacré, un temple divin. Et va activer nos dimensions avec les champs de conscience céleste. Vous ressentez maintenant à travers vous l'expansion de vos champs de conscience. Vous ressentez une élévation de votre puissance vibratoire. Le temple se transforme pour devenir un pur cristal. Et vous visualisez une triangulation entre le temple pur cristal et vous. Et vous et la terre. Et vous voyez maintenant deux circuits. Un circuit où vous recevez du cristal et où vous envoyez à la terre. Et la terre renvoie au cristal. Et un circuit inverse où la terre vous envoie à vous, vous envoyez au cristal et le cristal envoie à la terre. Ces deux champs tauriques passent par chacun de vos chakras.
Et chaque cristal est en même temps un récepteur et un émetteur. Vous voyez maintenant apparaître Maître Saint-Germain, Melchisédek, Moria et Maître Ignat. Vous ressentez leur énergie et leur bienveillance, tandis que les circulations cristallines continuent en vous de s'activer. Ressentez maintenant la présence de l'archange Michaël et Métatron. Ils viennent recalibrer votre champ multidimensionnel. Vous voyez maintenant un cadran sur votre plexus solaire. Et vous savez que vous pouvez tourner le cadran pour calibrer la puissance et le champ multidimensionnel. Vous ressentez maintenant les mouvements de température de l'énergie. Vous visualisez les atomes qui se déplacent à travers votre champ, les champs de vos corps énergétiques. Et qui viennent effectuer un recalcul pour préparer votre énergie à un processus d'ascension. Ressentez maintenant l'énergie qui est en vous devenir plus puissante, plus douce et plus acceptable. Melchisédek vient vous parler de prochaines étapes. Vous serez invité à passer pour incarner pleinement le passage à la scène. Continuez à ressentir l'énergie qui circule librement à travers votre pilier, en accord avec votre esprit, votre moi supérieur et votre âme. Chacun d'entre vous se trouve exactement là où il doit être. Et son âme est en plein accord
avec le processus en cours. Vous recevrez trois domaines spécifiques à mettre en place dans votre vie. Et vous savez que ces trois étapes vous seront proposées sous l'égide de Melchisedec. Personne d'autre que vous-même ne vont vous proposer ces étapes et personne d'autre que vous-même ne prendra la responsabilité de les vivre ou pas. Vous savez que le passage à la 5D va marquer des changements de vie, des actes positifs et la compréhension pleine et entière de ce que vous êtes. Maitreya se tient devant vous et vous êtes entouré du Conseil de l'Ascension. Votre guide personnel vous a rejoint. Et vous allez maintenant recevoir des fréquences et des informations transmises par la conscience du groupe. Peut-être des images, des histoires, des sons, des couleurs, des sentiments. Vous allez maintenant déplacer ces énergies vers la première étape. La première étape est celle des relations. Cela peut concerner votre vie intime, vos relations, vos enfants, vos partenaires. La famille, les amis, les collègues et le groupe. Cela concerne également votre famille d'âme, la famille de lumière, et toutes les connexions relationnelles. Vous ressentez maintenant quelle est cette étape d'activation. «
et accepter de recevoir la lumière cristalline qui va peu à peu modifier et nettoyer. Vous serez désormais guidé. Aidez ce tout nu. Vous allez maintenant accepter d'augmenter votre fréquence. Et vous allez ressentir l'énergie qui se dégage de vous et qui vient naturellement imprégner les personnes de votre entourage. Ce n'est pas un soin au sens traditionnel où nous l'entendons. C'est une imprégnation. Au sens où, par notre corporalité, nous émettons de la lumière qui se reflète sur notre entourage. Et lorsque notre lumière monte, notre entourage reçoit plus d'amour, plus de bienveillance et plus de lumière à son tour. Vous allez maintenant ancrer cette sensation en vous afin de vous en souvenir après la session. Vous pouvez avoir des informations, des compréhensions et l'équipe d'ascension va continuer à vous communiquer, à vous guider. À vous soutenir, même après cette méditation. L'ascension n'est pas un protocole, à définir. C'est un état permanent dans lequel vous rentrez un jour et qui va grandir, plus vous avancez à l'intérieur de lui-même. Vous recevez maintenant de l'information avec grâce, facilité, clarté et courage. Pour agir pleinement comme un acteur de la 5D. De peur peut venir, mais ne vous y attardez pas, pas plus que le doute. C'est votre âme qui vous a mené à cet instant précis pour recevoir ce courant particulier d'informations et d'énergie
Et c'est votre âme qui détient la feuille de route. Parce que le passage dans l'activation cristalline dépend complètement de vous et de votre personnalité. Vous savez maintenant que vous êtes rentré dans un champ informatif entièrement cristallin. Et que ce champ cristallin informatif est comme une entité vivante. À laquelle vous pouvez venir vous raccrocher. L'équipe d'ascension est prête à communiquer avec vous à travers vos sens, les vieux souvenirs. Vers les synchronicités de votre vie, les couleurs, les symboles et même des chansons. Vous réalisez que vous avez déjà été mis en communication avec cette puissance et cette force. Vous explique le libre arbitre. C'est vous-même qui avez votre libre arbitre dans la création, car il devait en être ainsi. Et vous avez également demandé de tout votre être des solutions pour arriver à l'élévation. À la cinquième dimension. Et c'est pourquoi vous vous trouvez à ce moment-là, dans cet instant, à recevoir ces informations de la part de vos guides, du comité d'ascension, des équipes de progression. Votre réinstallation cristalline est à 90%. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails dans cette étape d'activation, car votre équipe d'ascension va continuer à partager avec vous des informations et les détails supplémentaires arriveront naturellement dans votre vie. Vous allez maintenant placer cette activation au plan de l'action. De vos créations. Vous quittez la zone des relations qui est maintenant parfaitement réinstallée. Vous respirez profondément de haut en bas
et Melchisedec et Maitreya reculent pour laisser la place au maître ascensionné Saint-Germain et Elmourien. Troisième niveau concerne votre santé physique. Nous allons maintenant procéder à l'installation et au nettoyage. Ce n'est pas seulement la santé physique. C'est également votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Le conseil d'ascension va maintenant commencer son travail de réinitialisation. Deux, un, maintenant, le processus commence. Respirez de haut en bas en restant présent tandis que vous recevez. Vous percevez l'activation des deux cercles. L'un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans l'inverse. Et ces deux activateurs maintenant se placent au centre de vous-même et vous êtes naturellement relié vers le haut et relié vers le bas par un immense pilier de lumière qui vous traverse totalement. Vous sentez maintenant la réinstallation se mettre en place à une fréquence plus élevée dans votre vie. Et vous réalisez que vous avez besoin de votre corps et de votre santé pour mener à bien les missions que votre âme a choisi d'effectuer dans votre incarnation sous l'égide des guides et des maîtres. Vous réalisez que vous êtes une graine d'étoile à haute densité. L'installation est maintenant à 30% terminé. La santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, santé sont en train d'être nettoyées. Votre esprit reçoit des informations. Ayez confiance en ce que vous recevez.
Ça peut être des images, des mots, des messages, des synchronicités. Même si vous n'avez pas l'impression de recevoir des messages, des choses profondes sont en train de s'activer. Quand vous reviendrez à votre état normal, vous vous souviendrez de ces activations. Suivez très clairement vos intuitions de guidage. Regardez les informations qui vous sont données. La réinitialisation de vos champs de conscience cristallins sont maintenant installés à 60%. Continuez à visualiser les cercles qui tournent autour de vous, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et maintenant, vous allez changer tout doucement le cercle de rotation de chaque cercle. Avant de le refaire revenir dans sa position initiale. Vous ressentez alors une énergie profonde à l'intérieur de vous. Vous êtes parfaitement connecté à votre frère multidimensionnel. Les énergies de transmission sont maintenant installées à 80% pour la troisième étape de votre plan d'action. Durant ce processus, vous avez traversé de nombreuses émotions. Ces trois étapes de transmission et les émotions reçues sont là pour vous soutenir tout au long de votre processus de changement multidimensionnel. Et pour vous aider à vous souvenir. Et à agir. L'information que vous avez reçue est maintenant à 90% pour la troisième et dernière action. Vous voyez maintenant votre corps cristallin s'activer. Et vous allez recevoir le téléchargement final maintenant
comme troisième étape des transmissions. L'installation est maintenant complète. Vous avez été réinitialisé dans la cinquième dimension et vous voyez des cercles cristallins descendre le long de vos corps énergétiques, comme si vous étiez dans un immense cylindre de cristal. Ça descend une fois, ça descend deux fois, ça descend trois fois, ça descend quatre fois, ça descend cinq fois, ça descend six fois, et ça descend sept fois. Vos corps cristallins sont maintenant actifs. Vos corps cristallins sont maintenant actifs dans la cinquième dimension. Ressentez la connexion à la terre devenir naturelle, comme la connexion à l'ombre. Vous revenez doucement dans le cercle autour de vous, avec Melchisedec, Maitreya, Saint-Germain, El Moria, l'archange Michael et l'archange Métatron. Nous ensemble vont maintenant commencer à sceller ce processus, vous offrir les grâces et facilités dans votre choix d'action. Vous pouvez maintenant programmer votre vie pour la version la plus élevée. Vous devenez responsable de vous-même. Les conseils supérieurs de vous-même seront vos meilleurs guides, car vous recevrez en direct l'information du conseil d'ascension. Soyez à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez dans votre corps. Cette tranquillité nouvelle, cette plénitude et aussi cette force. Les guides de lumière vous remercient profondément pour votre courage, votre engagement, votre volonté. Ils sont prêts à vous aider et vous soutenir, pour vous offrir toute l'assistance. Dont vous aurez besoin. Vous pourrez faire appel à l'un d'entre eux lorsque vous aurez besoin. Et le processus de transmission et d'installation va peu à peu se concrétiser dans votre vie de tous les jours. Tout ce travail énergétique a été scellé. Vous allez recevoir avec facilité amour, lumière, autonomie. Prenez quelques instants pour accepter l'activation de vos corps cristallins dans la conscience de la 5D. Nous allons maintenant procéder au retour. Nous
Nous remercions tous les maîtres ascensionnés et les archanges pour leur présence. Nous remercions le Grand Conseil d'Ascension ainsi que Gaïa la Terre, les temples d'énergie qui ont permis toutes ces informations de parvenir à notre cœur. Nous sommes prêts pleinement à vivre notre incarnation en lien avec la conscience 5D. Vous ressentez la connexion de votre corps physique avec le temple. Vous respirez profondément de haut en bas, de votre pilier. Tout est maintenant scellé. Tout est intégré avec grâce, facilité, amour, lumière, autonomie. Merci, merci, merci. Vous recevez maintenant la bénédiction profonde du cercle de lumière autour de vous. Et ces lumières et cette bénédiction rentrent à l'intérieur de vous. Les cercles se dissolvent en paillettes dorées qui viennent imprégner votre corps causal. Et les liens avec le haut et le bas rentrent à l'intérieur de vous-même. Vous allez maintenant procéder au retour de votre corps en vous connectant à votre propre corporalité, en partant des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et quand vous serez prêt, vous toucherez vos pieds, vous toucherez vos mains, vous bougerez votre nuque. Vous reviendrez doucement à la réalité et vous ouvrirez les yeux. Vous verrez alors quelques petits changements, des lumières plus vives, des formes plus distinctes. Manifestation de la présence en 5D. Vous ouvrirez les yeux quand vous voudrez. L'activation des corps cristallins est une grande responsabilité. Recevoir l'activation des corps cristallins vous permet de reconnaître le divin en nous, de le connaître, mais aussi de participer activement à la grande œuvre actuellement en route sur Terre. L'activation des corps cristallins n'est pas là pour enfler notre orgueil, mais bien pour nous inviter à nous mettre au service du divin et du sacré, et d'apporter aux autres notre lumière cristalline.